On se retrouve donc pour le fameux haul beauté, enfin promo beauté Leclerc. Si vous me suivez sur Snapchat, vous avez peut-être vu que j'y suis allée deux fois. Je voulais y aller qu'une fois en fait, parce que la première fois j'avais fait le plein comme il fallait. Et puis j'ai regardé la vidéo de Loulou et il y avait des trucs que j'avais pas vu dans le premier Leclerc. Alors je suis allée voir dans le deuxième. Et j'ai trouvé bah, évidemment plein de choses. Alors je vais vous montrer ça tout de suite, j'espère que ça va pas être trop long. Et ce que je vais faire, c'est que pour gagner du temps, j'ai préféré pas prendre le catalogue avec les prix et puis même mon ticket. Je vous noterai les prix quelque part, par là, quelque part. Donc c'est parti, on attaque tout de suite. Alors j'ai essayé de classer par catégorie pour m'y retrouver un petit peu quand même. Alors je vais commencer par les soins pour le visage. Alors j'ai craqué sur plein de trucs. Enfin, il n'y en a pas que pour moi. On l'utilise pour toute la famille, que ce soit même pour les cheveux ou pour le corps. Enfin bref, voilà. Donc je commence. Alors il y avait plein de promos de la marque Garnier. Et c'était la gamme Garnier Skin Active. Alors j'ai pris deux produits. Ouais, deux. Donc j'ai commencé par prendre le Pur Active Sensitive, donc la lotion purifiante douceur, qui est pour peau sensible à imperfection, donc qui purifie et resserre les pores et apaise. Et dedans, il y a de l'acide salicylique purifiant, de la mamélif apaisant, et c'est hypoallergénique, donc ça j'ai trouvé cool, et c'est sans parabènes. Donc on a pris une bouteille de gel comme ça, enfin j'ai pris, parce que j'étais toute seule quand j'ai fait les courses, qui va servir aussi pour Marine. Et dans le coup on a pris un petit peu dans la même gamme le gel crème purifiant sans savon qui lui nettoie et purifie en douceur et apaise. Et dedans il y a du zinc purifiant et il y a toujours de la mamélisse. Donc voilà, on a pris ces deux trucs là parce que je sais que Marine elle aime beaucoup utiliser en ce moment les produits que moi j'ai. Et je me suis dit que bah, tant qu'à faire autant en prendre suffisamment pour deux. Pour dans la Skin Active, mais cette fois c'est le gel nettoyant végétal rafraîchissant à l'extrait d'aloe. Donc il contient 96% d'ingrédients d'origine naturelle, qui est sans parabènes, sans silicone, sans colorant synthétique. Donc voilà le gel hein, qui est super épais avec un flacon pompe, j'ai trouvé ça top. Et c'est nouveau, donc on verra. En plus, l'aloe vera, c'est super bon d'ailleurs. Ah ouais, j'avais pas... Et vous savez, je l'ai acheté, mais j'avais pas regardé. Ce qui est bien, c'est que derrière, alors pas derrière les autres, mais derrière celui-là, ils ont marqué, donc vous avez la liste des ingrédients. Et au niveau de la liste des ingrédients, ils mettent en fait ce que c'est. C'est-à-dire, à quoi? Donc c'est de l'eau purifiée. Ensuite, vous avez le coco glucoside. Donc c'est de la noix de coco et du blé, donc je vérifierai quand même dans la compo s'il ne raconte pas de conneries. Vous avez du sodium chlorhyde qui est du sel de mer, enfin tout est... Ah c'est vachement bien fait. Tout est très bien marqué, ce qui fait que dans le coup, bah, fini la prise de tête pour savoir ce qui se cache dans mes cosmétiques. Là c'est écrit, ça c'est top. Et dans la même gamme, je continue parce que la vidéo va être super longue. J'ai pris le tonique végétal hydratant à l'extrait d'aloe vera. Donc ça va être plus un petit peu pour moi quand même, parce que c'est un tonique. Marine n'en utilise pas encore particulièrement. Qui est toujours sans parabènes, sans silicone, sans colorant synthétique. Et pareil, il y a les ingrédients derrière. Ça c'est cool. Hein, donc voilà, extrait d'aloe vera, c'est top pour l'hydratation. Donc niveau visage, nettoyage, ça c'était top. Et il y avait également des produits de la marque Le Petit Olivier. Alors moi ça fait longtemps que j'ai pas acheté de produits de la gamme Le Petit Olivier. Pourquoi, je sais pas. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai dans le coup voulu essayer la mousse nettoyante à l'huile d'olive pour peau sèche et sensible, qui est sans parabènes. Donc il se présente comme ça, donc c'est un flacon moi je sentirais pas. C'est un flacon pousse-mousse. C'est une mousse délicate et onctueuse qui offre à votre peau une sensation de confort. Donc matin et soir, appliquez sur visage humide, massez légèrement, puis rincez à l'eau claire. Donc je vous en reparlerai, hein, de toute façon tous ces produits-là, dans les produits terminés certainement, ou dans les coups de cœur si vraiment j'ai un coup de cœur. Alors j'en ai pris qu'un, c'était pour essayer. Hein. Voilà. Quand je ne veux pas prendre de risque, je fais ça. Toujours dans la marque Le Petit Olivier, j'ai pris le démaquillant yeux qui se présente comme ça, qui est biphasé, donc qui est entre vert et transparent, je vais y arriver. Donc là il a 95% d'ingrédients d'origine naturelle, il convient aux yeux sensibles, il est sans parabènes et sans silicone, et c'est pour les yeux aussi waterproof. Alors je me suis dit pourquoi pas. Et toujours à l'extrait de l'huile d'olive, ça sent pas l'huile d'olive,
Donc c'est pas mal. Donc j'essaierai ça et si c'est top, j'en rachèterai. Alors toujours au niveau soins du visage, j'ai pris pour Marine de la marque Mixa, donc expert peau sensible. C'est donc un soin hydratant anti-imperfection 2 en 1 qui réduit les boutons, les pores, la brillance et qui réhydrate. Donc il y a du zinc et du silicate, il est non comédogène, il est peau allergénique et sans parabènes. Et je pense qu'elle va l'essayer là, dès qu'elle aura terminé ce que je lui ai donné l'autre fois. Je vous en reparlerai si ça peut aider au niveau surtout de ses boutons. Parce que par moment ça va, mais par moment ça fleurit fort, hein, ça fleurit sec même. Et il y avait aussi des produits de la gamme Léa Nature, donc Sceau Bioéthique, qui se présente comme ça. Donc j'ai pris l'Aqua Energy, c'est un sérum défense anti-pollution oxygénant. Et si je prends côté français, ça marchera mieux. Il est aux algues boréales et aux liposomes d'eau des glaciers. Donc c'est pour les peaux fatiguées. Alors, zéro parabène, zéro silicone, zéro parfum de synthèse. Alors ça, c'est pareil. Je l'essaierai une fois que j'ai terminé le sérum que j'utilise en ce moment. Alors, il y avait plein de produits de ce marque-là. Hein. Ils étaient bien réduction. Enfin, il y avait une belle réduction, mais ils n'étaient pas donnés. Et comme j'en ai plein, je vous ai montré hein, dans mon room tour, j'ai ce qu'il faut en soin. Mais ça, je voulais l'essayer. Voilà, juste pour le fait anti-pollution et oxygénant. Ensuite, je vais continuer avec des produits de la marque Christian Lénard. J'ai dit des bêtises. Et il y avait plein d'eau. Alors, en ce moment, j'adore ça parce que j'utilise avec les masques. Et donc, j'ai pris, évidemment, fleur d'oranger. Et j'ai pas ouvert, mais... Oh mon Dieu, ça sent trop bon. Séverine, si t'as un Leclerc, va la prendre, ça sent trop bon. Ça sent trop bon la fleur d'oranger. Donc celui à la fleur d'oranger, donc il est relaxant et apaisant. Et donc c'est aussi bien pour le visage et le corps. Dedans vous avez 98% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. À l'arrière, donc c'est marqué que cette lotion elle nettoie en douceur, relaxe et apaise tous les types de peau. Appliquez matin et soir sur l'ensemble du visage et ou le corps à l'aide d'un contour à bit B. Et ça convient à l'adulte et à l'enfant de plus de 3 ans. Donc ça peut être très bien ça pour Marine. Comme il y a un âge de marqué dessus, c'est mieux. Et alors là, c'est un flacon en verre. Et sous un autre format, il y avait les petits cheat là. Donc j'ai pris l'eau fruitée purifiante au citron et aux fruits rouges. Donc spécial peau à imperfection. Donc là, c'est plus un tonique. Et j'ai pris toujours en tonique l'eau fruitée énergisante mûre et framboise. Spécial peau terne et fatiguée. Voilà. J'ai pris ces deux-là. Et quand je suis allée dans le deuxième le faire, il n'y en avait pas. J'étais super déçue. Je voulais celle au tiaré, moi. J'ai pas trouvé, donc il faudra que je retourne dans le premier. Peut-être la semaine prochaine. Donc voilà au niveau des soins pour le... Ah non, niveau soins visage, bah oui. Si j'en oublie, ça va pas le faire. Il y avait des masques. Magali, oui, j'en ai pour tout le reste de ma vie. Il y avait plein de masques. Mais plein, et quand je dis plein, c'est plein. Il y avait d'abord les masques Ayazé. Ayazé, ou je sais pas comment on dit. Je vais les mettre comme ça. Alors, j'ai craqué mon slip, hein, c'est le cas de le dire. Alors, j'en ai pris deux à chaque fois, mais je ne les ai pas pris tous parce que je crois qu'il y avait 4 variétés différentes. J'ai pris donc donc c'est des masques tissu, hein, effet belle peau anti-imperfection qui réduit l'apparence des pores. Application facile et c'est un masque qui se laisse poser 15 minutes. Donc ça, c'est top. Et donc dedans, il y a de la mamélis qui est donc un astringent naturel qui permet de resserrer les pores, du collagène, du thé vert et de la glycérine qui, eux, réduisent les irrégularités de la peau. Et comme j'ai des irrégularités de la peau, je me suis dit, autant pas se gêner. Ensuite, il y avait celui effet lift anti-âge, donc pour une peau ferme, pour avoir une peau ferme et des signes de l'âge réduit. Donc pareil, je crois qu'il se laisse poser 15 minutes, hein, et tout se passe, les masques de cette marque-là, facile à dire, se laissent poser 15 minutes. Donc celui-là, il y a évidemment du collagène, donc qui va aider à, on va dire, à rajeunir, entre guillemets, les cellules de la peau. Hein. Surtout éviter le relâchement, tout ça, voilà, tous les trucs qui arrivent quand on commence à vieillir et quand on a fumé, voilà. Il y a aussi du thé vert et de la vitamine E qui sont réputés pour leurs propriétés antioxydantes. Donc ils aident aussi à lutter contre le vieillissement prématuré de la peau. Donc les dégâts que j'ai fait en fumant, c'est mort, ça ne changera rien.
Par contre, je peux quand même essayer de préserver. Et pour finir, il y a celui effet coup de fouet antifatigue pour un teint éclatant et une mine radieuse. Et là-dedans, vous avez du thé vert, de la vitamine E, de la glycérine, du schisandra. Donc ils vont permettre de lutter contre les agressions extérieures. Le visage paraît plus reposé et il a un effet bonne mine, comme si on avait fait une super bonne nuit de sommeil en fait. Et en plus dedans, il y a de l'extrait de concombre, de pamplemousse et de cire produits issus de la ruche, donc qui eux revitalisent et illuminent la peau. Donc ça fait un effet coup d'éclat. Donc j'ai pris cela. Et dans le deuxième Leclerc, il y avait d'autres masques. Donc j'ai pris encore d'autres masques. Alors là, cette fois, c'était des masques de la marque Loua by Laurence Dumont, qui se présente comme ça. Donc toujours masque visage tissu. Cette fois, il se laisse poser 20 minutes, ou 5 minutes de plus. Et alors il y avait plein de variétés. Alors j'en ai pris un ultra hydratant à l'aloe vera, donc qui est vert comme ça. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Rien de spécial. Enfin voilà. De toute façon, je vous en reparlerai de tous ces masques. Hein. Donc j'en ai pris un à l'aloe vera. Ensuite, j'en ai pris qu'un. Je vais commencer ce que j'ai pris par un. Ensuite, j'en ai pris un anti-imperfection ou thé vert qui va certainement me servir quand j'aurai ma poussée de petits boutons mensuels, n'est-ce pas? Donc voilà, pour essayer. Hein, donc ça c'était, ça j'ai trouvé ça cool et en plus ils étaient pas trop chers. Et ensuite j'en ai pris deux. Alors un teint à éclat à la vitamine C, donc le Ideal Flash, hein, c'est le rose qui me monte aux joues. Voilà, donc en plus ils étaient colorés ceux-là. Et j'en ai pris deux autres anti-âge évidemment. Cette fois il est au collagène marin. Voilà, donc j'ai pris ces masques là. Je suis super contente parce que moi j'adore les masques, je m'en fais au moins 3 à 4 fois par semaine. Et les gommages 2 fois par semaine, par contre je fais pas plus. Mais les masques j'adore, je kiffe, c'est un truc de malade. Alors je vais passer ensuite, donc comme je suis sur le visage, je vais continuer à tout ce qui est maquillage. Alors il y avait la marque L'Oréal, la marque Je mets Maybelline, la marque Bourjois, la marque Rimmel. Et j'ai été plus facilement attirée par la marque Bourjois. Alors je commence par la première chose que j'ai prise, c'est un fond de teint, donc de la marque Bourjois. Qui est donc un fond de teint anti-fatigue pour un teint frais éclatant avec un complexe exclusif de vitamines C, E et B5. Donc il a une tenue jusqu'à 16 heures, ce qui autant dire est top pour moi. Et il se présente dans un petit packaging comme ça. Arrêtez-les. J'ai pris des ciseaux pour une fois. Parce que j'ai rien sorti de l'emballage. J'attendais de faire la vidéo pour vous montrer. Et donc, moi, ce qui m'a plu, c'était le fait qu'il y avait des vitamines à l'intérieur. Alors, j'ai pris la couleur beige foncé, parce que je voulais surtout l'utiliser pour l'été. Donc, je me suis dit, autant que je prenne une couleur un petit peu plus foncée que celle que je prends d'habitude. Donc, voilà pour cette première chose-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rester dans la marque Bourjois. On va faire simple, hein. Comme ça, ce sera fait, après, on n'en parlera plus. Vous savez que j'adore les Velvet Matte Edition. Eh bien, il y en avait, donc j'en ai pris d'autres, ceux que je n'avais pas. Alors j'ai pris le joli vin numéro 19. J'ai également trouvé Don't Pick Off It, qui est un rose, enfin nude rosé. Alors j'espère qu'il va pas être trop clair, parce que bon, sinon je vais ressembler à une morte. Et le dernier, c'est le Peach Club. Et ça, je me suis dit, ça peut être sympa pour l'été. Alors je vais vous les ouvrir et je vais vous les swatcher. Ce sera plus sympa. Alors, je vais commencer par le plus clair, donc le Don't Pick Off It, donc c'est le numéro 10. Et en fait, ces rouges à lèvres, ils ne sont pas sans transfert, ils ne sont pas tout ça, hein. Mais par contre, ils ont une texture super agréable. Ouais, celui-là, il est presque transparent. Et ils ont une texture vraiment très agréable. Et en fait, la teinte, elle colore très légèrement les lèvres. Quand il s'en va, vous en avez encore. Et franchement, j'adore. Enfin, moi, j'adore. Donc là, il est là. J'espère que vous allez bien le voir. Donc ça, c'est le plus clair. Ensuite, le Peach Club numéro 4. Alors ça, je pense que c'est une couleur qui, pour l'été, devrait être sympa. J'aime bien porter du orange l'été. J'aime pas cette couleur, mais j'aime bien porter du orange l'été. Que voulez-vous? Donc c'est le deuxième. Et le dernier, donc celui-là il pète un peu, c'est le joli vin. J'en avais déjà un foncé et je l'aimais un peu moins que les autres. J'espère que celui-là je vais l'aimer. Ah zut, ah ça va pas colorer assez, je le sens. Je sais pas pourquoi les foncés, je trouve qu'ils ont une pigmentation moyenne. Je sais pas pourquoi.
Il est tout en bas. J'espère que vous allez le voir. Donc voilà, de toute façon, j'adore ces rouges à lèvres là. Eux et moi, c'est une histoire d'amour. Alors, je crois que j'ai fini avec la marque Bourjois. Il y avait plein d'autres trucs de la marque Bourjois, puis finalement, j'ai dit stop, stop, n'arrête. De la marque Jemet. Et oui, la marque Jemet. Je l'ai pris, hein. J'étais obligée de le reprendre, hein, parce que franchement, j'adore ce mascara là, le Colossal Big Shot. En fait, j'en ai pris deux, parce que je l'adore, voilà. Donc ça, je suis super contente qu'il était en promo, parce que vraiment, c'est un mascara, je le kiffe à mort. Donc ça, je vous le recommande un million de fois. Et il y avait aussi plein de rouges à lèvres. Alors, je suis restée dans les rouges à lèvres liquides. Donc j'ai pris les Vivid Matte Liquide. Donc Fini Matte et Confort Ultime. J'ai pris que ce qu'il y avait. Il y avait le 5 Nude Flush. Et le 30 Fuchsia Ecstasy. Alors, on va regarder tout de suite qu'est-ce qui est fait. Alors, j'en ai entendu parler beaucoup de bien. Donc, je pense que, effectivement, je pense qu'ils sont bien. Hein, on va regarder tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre de l'autre côté. Ça sera peut-être plus pratique. Oh, il est beau celui-là. J'espère qu'il va être aussi beau sur moi qu'il est sur ma main. Oui, je pense qu'ils sont bien. Le voilà, le Nude Flush là. Et donc le 30, j'ai dit que c'était Fuchsia Ecstasy. Franchement, là, l'application du premier, waouh. Oula, oui, ça balance. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit sans transfert, mais on va attendre qu'il sèche, on verra bien. Et voilà le Fuchsia Ecstasy, c'est de la bombe. Ça me plaît, ça. Ça me plaît bien. Et l'embout, il est top. Et il sent bon. Les autres, ils sentent rien. Donc voilà pour ça. Et toujours au niveau make-up, il y avait la marque Lab 2. Alors je sais pas si vous la connaissez, mais j'ai pris un pinceau pour essayer. Hein. Donc j'ai pris un pinceau estompeur. Je l'ai même pas ouvert d'ailleurs. Donc voilà, un pinceau estompeur comme ça. Alors ils sont tout simples. Donc celui-là, c'est donc le pinceau d'angle. Il a l'air très doux. Je vais essayer. Si c'est bien, je pense que j'en reprendrai d'autres parce que voilà, c'était des pinceaux qui n'étaient pas à un prix super. Super énorme, donc ça pouvait valoir le coup. Et pour terminer dans la marque Jemet, j'ai complètement oublié, je me suis pris dans le coup avec le Bourjois, parce que je me suis dit on sait jamais, un deuxième fond de teint. J'ai pris donc le fond de teint fluide coussin, donc le Cushion Dream, le Dream Cushion plutôt. Donc en teinte beige doré qui est un SPF de 20. Et franchement, j'ai trouvé... Alors déjà, vous avez un super beau miroir. Vous avez la petite toupette. Hop, il souffle comme ça. Vous avez une protection et donc vous récupérez la matière avec la petite éponge qui est là. Donc pareil, hein, j'essaierai ça, je vous en redirai des nouvelles. Beige doré, je pense que ça devrait être mal. Ensuite, je vais continuer avec les produits puisqu'on est dans le visage. Alors, je vais continuer avec les dents. Bah oui, parce que vous savez que je n'aime pas du tout les dentifrices. J'ai horreur des dentifrices. Donc, il y avait des dentifrices. J'ai pris Oral-B 3D Luxe, donc 3D White Luxe, dentifrice doux pour l'émail, à l'éclat de perle, enfin c'est un truc de malade. Donc ils étaient par pack ceux-là, donc j'en ai pris pour essayer, parce qu'on commence à arriver à la fin des dentifrices, les derniers que j'ai achetés. Là oui, on est 4 dessus, alors ça descend. Ensuite, au niveau de la marque White, donc signale les White Now, j'ai pris les CC Care Correction Whitening Normal et Bright. Voilà, alors ne me demandez pas la différence, j'en sais rien. Zéro abrasivité, ingrédient blancheur instantané. Zéro abrasivité, ingrédient blancheur instantané. Je ne sais pas la différence entre le Bright et l'autre. Mais bon, je vous en dirai des nouvelles s'il fait les dents plus blanches. Et toujours pour les dents, je fais gaffe, ça tombe pas. Il y avait des bains de bouche, signal aussi. White Now, donc un bain de bouche, gel, donc... Ouais, il est à peu près épais, on va dire. Donc, c'est un gel liquide actif, blancheur instantané, triple effet, 0% d'alcool. J'ai trouvé ça top. Et donc, ils mettent des dents instantanément plus blanches, gel, dans formule gel unique, enveloppe vos dents et reste en bouche durablement, forme un fil protecteur longue durée, triple effet, renforce l'émail, efficacité antibactérienne et blancheur instantané. Donc, voilà, génial. On verra si ça marche. Donc ensuite, je vais passer à tout ce qui est soin du corps. Alors, c'est ce que j'ai pris peut-être le plus. Ouais, je crois que c'est ce que j'ai pris le plus. Pas bien gay. De la marque L'Arbre Vert Bien-être. Il y avait des gels douche. Alors apparemment, c'est une marque toute nouvelle, parce que moi, je ne connaissais pas.
Donc j'ai trouvé d'abord la crème douche nourrissante aux extraits d'argan bio, plus du surgras, donc il y a un pH neutre qui est sans parabène, sans isothiazolinone, sans phénoxyéthanol, sans phtalate, sans hêta. Fabriqué en France, ça je dis que c'est cool, fabriqué en France. Hein, donc les packagings sont comme ça, ça fait 250 ml. Et j'ai pas senti. Ça sent pas l'huile d'argan. Ça sent le savon. Bref. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, j'ai trouvé celle, donc la crème douche apaisante, donc qui est aux extraits d'aloe vera bio. Donc, tout est bio, moi je dis que c'est top. Ça, ça sent l'aloe vera, il n'y a pas photo. En fait, j'ai pris 4 variétés. Il y avait la crème douche hydratante aux extraits d'amandes douces bio. Donc, toujours. Oh, ça sent bon, moi j'adore l'amande. Ça, ça sent bon. Et le dernier, la crème douche relaxante cette fois. Donc, à la vanille bio de Madagascar. Alors, voyons voir. Ça sent bon la vanille. Moi, j'aime bien la vanille. Donc, voilà, pour la découverte de ce truc-là, je me suis dit, bon, allez, essayons. Ensuite, j'ai trouvé de la marque Cottage. Des gels douche, vous savez que j'adore cette marque-là. Donc j'en ai pris plein. Alors il en reste encore, mais je me suis dit on sait jamais. Donc j'ai pris fleur d'oranger, mon chouchou. Alors celui-là je le kiffe. Ananas et crème de coco, c'est pareil, ça sent super bon. Enfin c'est top. D'ailleurs les cottages, je les achète quasiment plus que au promo beauté Leclerc. Et cerise noire et pistache, ça c'est une purée aussi. Enfin ils sentent tous bon de toute façon. Donc voilà pour la marque Cottage. Et j'ai trouvé, alors c'était pas en promo mais je me suis dit tant pis, j'ai pris une huile sèche de la marque Cottage toujours. Donc c'est l'huile sèche précieuse au monoeil. Et franchement ça sent vachement bon. Oh mon dieu, ça sent les vacances, ça sent... Ça j'adore. Donc voilà, je me suis dit je vais essayer, c'est pour les peaux très sensibles. Donc je me suis dit que moi avec mes peaux, mes jambes plutôt, qui sont dans un état un peu minable en ce moment, ça pourrait être top. Et donc, je suis retournée une deuxième fois dans un autre Leclerc, à cause, je vous ai dit tout à l'heure, entre guillemets, à cause de Loulou. Loulou a parlé de ça. Donc, de la marque Energy Fruit. Alors moi, j'avais déjà vu des revues sur cette marque-là, et je voulais pas prendre de savon, parce que c'était super liquide, enfin c'était pas top top. Et donc là, j'ai trouvé la crème hydratante en mousse pour le corps, qui hydrate et parfume. Et j'en ai trouvé deux différentes. J'ai trouvé monoeil et argan, et huile d'argan bio. Et la deuxième, c'était fruit de la passion et huile d'argan bio, qui sont comme ça. Et alors, je vais essayer. Hein. J'ai pas essayé encore, j'ai pas senti, j'ai rien fait de tout ça. Je vais essayer et je vous en dirai des nouvelles. Mais je baigne, il n'y a pas de silicone. Le pH est neutre, c'est fabriqué aussi en France. Donc, bref, voilà. Je me suis dit, allez, on essaye. Et puis, on verra bien. Pour nettoyage du corps, j'ai pris la mousse de douche de chez Dove, donc c'est une nouveauté. Donc nutrition intense, 24 heures de douceur, soin hydratant. Donc ça c'est parfum Dove classique. Donc j'essaierai et c'est pareil, je vous redirai ce que j'en pense. J'ai pris une brume huile sèche, voilà, de la marque Hawaiian Tropic, qui se présente comme ça, qui a un SPF de 30. Donc qui pénètre instantanément, qui n'est pas gras, qui est à la coco et à la mangue. Voilà, je pense que pour l'été, ça peut être bien pour moi et pour les enfants surtout, parce que voilà, je pense qu'ils ont besoin d'un petit peu de protection quand même avant de se mettre au soleil. Donc voilà, c'est une brume huile sèche. Donc j'ai trouvé ça top, qui protège pour les UV, enfin voilà. Bref, j'ai pris ce petit truc-là et Loulou en avait parlé, donc je l'ai trouvé au deuxième. Voilà, je n'ai pas trouvé au premier, je trouve au deuxième. Ensuite, niveau déo, on a pris comme d'habitude, enfin j'ai pris comme d'habitude, le Dove original en stick, parce que maintenant je ne prends plus qu'en stick, j'évite les cheat sheets parce que je ne suis pas toujours sûre qu'il n'y ait pas de sel d'aluminium dedans. Donc j'ai pris ce que moi et Marie on adore, et j'ai pris pour Titi, voilà, les brutes originales, hein, comme ça on n'en parle plus. Ça c'est sans sel d'aluminium, donc c'est top, et je crois que j'en ai pris 4, parce que je sais qu'il adore ça, donc, et puis moi j'adore ça aussi. Ça sent là, ça sent juste là dans le bouchon. Ça sent bon. Bref. Donc voilà pour tout ce qui est déo. On va terminer avec les cheveux. Alors là pour les cheveux, il y en a une quantité un petit peu impressionnante aussi. Alors pour les cheveux, je vais commencer par tout ce qui est entre guillemets hors shampoing.
Donc j'ai pris pour Titi la Vivelle Dop, la orange, c'est celle qu'il préfère. J'en ai pris 4 paquets, comme ça on est tranquille pour l'année. Et c'est ce que j'avais fait l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et on a dû en racheter une. Donc je vais y couper les cheveux plus souvent, ça mettra moins de gel. Donc j'ai pris ça pour lui parce que je sais qu'il adore. Ensuite, de la marque de Sange, j'ai pris une huile sublime nutri-régénérante pour cheveux dénaturés. Donc qui est aux 3 huiles précieuses, argan, camélia et pracaxi, qui protège et restaure la barrière lipidique de la fibre. Donc qui est dans des petits flacons comme ça. Et le deuxième que j'ai pris, c'est l'élixir concentré de nutrition. Alors c'est sans rinçage, pour les pointes et les zones très sèches, aux deux huiles riches d'onagre et de sésame qui nourrit intensément, redonne galbe, douceur et éclat. Voilà, j'ai pris ces deux petits flacons là pour essayer. Que moi j'adore tout ce qui est produit pour les cheveux et j'adore prendre soin de mes cheveux. Et ça sent super bon. Ouais, j'ai hâte d'essayer. Je sens l'autre quand même. C'est une tuerie, ça sent bien. Alors, toujours au niveau soins cheveux, j'ai pris de la marque L'Oréal. Donc c'est l'huile extraordinaire aux 6 huiles de fleurs rares, donc pour les cheveux très secs ou frisés, donc il y a un soin transformateur de matière. Alors j'en ai entendu parler en bien et je me suis dit faut que j'essaye, donc ça tombe bien, t'es en promo, je te prends. Alors j'ai pas senti non plus, ça sent moins fort que le Sange, mais ça sent bon quand même. Donc ça c'est pareil, hein, je vais essayer. J'adore les huiles pour les cheveux, de toute façon je suis dingo des huiles pour les cheveux. Et toujours pour les cheveux, attention, j'ai trouvé ça. Ce sont des colorations semi-permanentes, donc comme L'Oréal. Hein. Donc ça s'appelle Color On, donc je suppose que c'est la marque. Voilà, je pense que c'est ça. Donc permet une correction de la coloration. Ça peut être utilisé en balayage. Deep dye, ombré air et haute technologie, machin, tout ça, bref. Donc j'ai choisi deux couleurs, le ice, le blond glacé, et le lilac, le lila. Voilà. Donc j'essaierai ça. C'est un tube, hein, comme L'Oréal, c'est pareil. Ah, j'ai pas vu. C'est vendu, je pense, par Tam Beauty, là. Bref, j'essaierai ces trucs-là. Vous voyez, c'est hors shampoing. Hein. C'est complètement hors shampoing. Et complètement hors shampoing aussi, j'ai trouvé de la marque Juva Florine. Voilà, les laboratoires Juva Florine. Donc, c'est des gros packaging comme ça. Donc, un masque purifiant naturel corps, visage et cheveux à l'argile verte qui est formulé sans parabènes et sans phénoxyéthanol. Qui est donc d'origine naturelle, qui fait 300 grammes. Et j'ai trouvé ça top, c'est que c'était aussi pour les cheveux. Alors je me suis dit ça peut être bien pour moi et pour Marine. Donc pour le cheveu, je vais vous le dire comme ça j'aurai l'air moins bête. Pour le corps et les cheveux, je vais y arriver. Ils disent de le faire une fois par semaine, de laisser poser 5 à 10 minutes sur la peau ou les cheveux secs, puis rincer abondamment à l'eau claire. Donc ça se met sur cheveux secs, donc il faudrait que je le fasse le matin. Pour le visage, donc c'est une fois par semaine et on laisse poser 5 à 10 minutes. Et pour les peaux sensibles, ne pas appliquer sur le visage. Donc faites gaffe quand même pour les peaux sensibles. J'en ai pris deux. Voilà, j'en ai pris deux parce que je me suis dit c'est vachement bien, je vais regretter de m'en avoir pris plus. Mais non, ça c'est cool, masque purifiant naturel à l'argile verte pour les cheveux en plus. Moi, alors niveau shampoing, étant donné que Titi n'aime que le Dop bleu que je vous montre vite à chaque fois dans mes produits terminés, j'en ai pris un entre guillemets. Plus pour moi quand même, puisque lui il aime que l'autre. Et puis l'autre il est jamais en promo beauté Leclerc. Donc j'ai trouvé, que je n'avais pas trouvé à Carrefour, le ultra doux délicatesse d'avoine à la crème de riz et au lait d'avoine. Donc qui est un shampoing doux et apaisant donc pour cheveux délicats. Donc j'en ai pris, ils étaient par deux, hein, donc j'en ai pris un paquet. Et après il y avait plein de produits de la marque L'Oréal et franchement j'avais envie d'essayer, donc je me suis jetée à l'eau. J'ai pris parce que shampoing classique il en reste pour les enfants, donc c'est pour ça que j'ai pris que pour moi. J'ai pris donc l'huile extraordinaire, donc c'est un shampoing boucle sublime, donc qui a l'huile d'amélia aussi micro l'huile de fleur A, donc il y avait deux shampoings à chaque fois. Donc j'ai pris donc le lot de shampoings, ensuite j'ai pris le lot de deux après shampoing, hein, toujours pareil, des mélanges boucle sublime, toujours dans la même gamme, boucle sublime, j'ai pris l'huile extraordinaire, donc c'est des petits flacons comme ça, qui je pense ne se rince pas, voilà, puis en fait ça allait avec en fait, hein, donc je l'ai pris, c'est une huile en lait, ne me criez pas dessus, j'ai pris ça,
Donc toujours de l'huile extraordinaire, mais cette fois c'est pas forcément spécial pour cheveux bouclés, je pense. C'est la Nutrition Suprême, c'est une huile en baume. Là c'est pas une huile en lait, mais une huile en baume qui est sans rinçage. Toujours aussi micro huile de fleurs rares, à l'huile d'amla. D'amla, je vous ai dit n'importe quoi, pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bref, et je crois que ça se rince pas non plus. Voilà. Donc j'ai pris celui-là. C'est jamais si l'autre est moins bien. J'ai pris un. Et pour finir avec les shampoings, quasiment que pour moi d'ailleurs, hein, parce que c'est quasiment que pour moi. Toujours de la marque L'Oréal. J'ai pris le shampoing, donc Elsève, hein, argile extraordinaire, shampoing beauté aux trois argiles fines, donc pour pureté et légèreté. Donc il est aux trois argiles fines pour purifier et révéler la beauté de votre chevelure. 72 de pureté et de légèreté. Les cheveux sont incroyablement frais, profondément hydratés. Les longueurs sont déliés parfaitement fluides et aériennes jusqu'au point de revitaliser la chevelure et brillante de santé. Je me suis dit, on va essayer aussi quand même celui-là. On ne sait jamais si je vais faire une pause dans tout ça. Donc voilà, je suis dingue. Hein. Mais bon, que voulez-vous, on ne se refait pas. Hein. Donc voilà, pour tout ça, je pense que je vais ranger maintenant. Parce que quand je vois tout ce qu'il y a... Oui, effectivement, il peut y avoir la guerre. On ne devrait pas tomber. Je pense qu'on va tomber en panne d'eau avant de tomber en panne d'urès. Donc sur ce, je vous fais évidemment plein de bisous. Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao !